Chose promis, chose due sur Dying Light the Following en coop avec Lozef. On se retrouve après quelques vidéos sur le jeu de base. Ici, on est sur l'extension. On est prêt à aller chercher notre buggy tant vendu par Techland. Allez, c'est parti. On fait cette mission. On s'est arrêté pile poil la fois dernière à cette mission-ci, donc vous n'avez rien raté. Youpi! Attention, parce qu'il y a des gens là-haut. J'ai plus d'armes à feu. Hein, moi, j'ai plus que des armes de poing. Attends, parce que moi j'ai des armes à feu, si tu veux, je peux peut-être en dropper une si tu veux. Ouais. Dis, j'ai l'impression Attends. que tout ce qu'on avait en cheaté, ça, on n'a plus. Parce que si tu regardes un peu ton inventaire, moi j'ai plus que 70 kits de soins. Ouais, non, ça moi j'avais aussi cette des kits de soins. Par contre, j'ai encore 999 alcool, etc. Donc je suppose que ça c'est pas encore paumé. Attends, je vais. Comment est-ce qu'on fait pour faire tomber? Attends, C'est quoi déposer, ton voilà. arme là? Elle dégomme? Voilà, tu peux avoir ça. Si tu Ah veux, ouais, une arme à bah moi feu, je sais pas si t'as des je vais munitions avec ou l'équiper. pas. J'ai des munitions, ouais. Donc c'est pas un problème. Pas de Ok. T'as problème. pas, par contre, t'as peut-être ce que t'as pas fait, moi j'ai vu, il y a des nouvelles choses. Quand tu lances la partie en normal, donc pas dans le following, donc t'es dans la zone de quarantaine, t'es à la tour. Ouais. Et là, tu peux aller au marchand, il vend un arc à flèches, etc. Donc ça, je pense que c'est des nouvelles armes. Bah on ira voir tout à l'heure, peut-être qu'il y a moyen... y a pas moyen de retourner à Arran dans The Following plus tard, tu crois? Je sais pas. À mon avis, si, il y a sûrement un moyen. Puisque quand tu arrives Ah. ici, tu peux repartir par les égouts, etc. Donc je suppose qu'il y a moyen. Oh, le mec il vient d'exploser sous mes balles, c'est complètement pas réaliste. Bon, il y en a d'autres là qui rôdent sur les toits. Y a une entrée ici. Je vais m'équiper de mes cocktails Molotov et tout brûler. Attends, parce que Ah. j'ai pas de bonne arme à feu, tant pis. Par contre, il faudrait peut-être que je me crée des molotovs. Ça, j'en ai plus. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, je peux en créer que un. Ah, il faudra que je fasse un cheat pour choper des codes, parce que je peux en créer que un. C'est con, c'est pratique. Oula, Oh. oula. J'ai explosé comme une merde. Faut pas que je traîne après des bidons, putain. Ouais, je t'ai donné la seule arme que j'avais qui avait des munitions. Oh merde, c'est con, tu la veux? Non, 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 Oui, fracasse, j'ai mes. attention. Terry! Putain! Et Je vais me soigner au moins. c'est con parce que avec l'explosion des bidons là quand ils ont tiré dedans quand j'étais à côté bah le mur a éclaté et les zombies ils arrivent mais... Oh merde. Par contre, je sais pas si t'es rentré par les champs. Il y a deux champs où c'est une invasion de zombies dedans. Ah ouais. C'est abominable. Il y a deux champs à l'entrée. Oh cool. Véhicule. Ok. Bien, on explore un peu avant de prendre le buggy. Ah merde, je suis dans le buggy. Comment Ah est-ce qu'on merde. ressort du buggy? Ah bah ça, je sais pas. Comment est-ce qu'on ressort du buggy? Je suis bloqué dedans, je me fais Ah, il y a taper. encore deux. Punaise! Ah voilà. Triangle, c'est bon. J'étais dans le buggy, puis j'entends. J'arrive plus à Voilà. sortir du buggy. Ah mais on t'a pas dit Dying Light the Following, tu peux pas sortir du buggy une fois que tu as. Non, c'est un jeu de buggy en fait. Voilà. Bon, ben, on va explorer un petit peu la zone. Bah ouais. Ah quand ils disent difficile, ils déconnent pas. Ouais. Ah quoi, j'ai plus de Quand crochet? tu... Merde. Ah la honte, j'en ai plus 100. Bah de toute façon on peut en fabriquer après. Oh là là, ça c'est magique, du premier coup, bam. T'as tourné vers la droite ou la gauche? Vers la gauche. Ça te regarde, peut-être la police. Il y a encore plein d'ennemis, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a plein de flèches jaunes. Il y avait quoi dans ce coffre? Il y avait des shurikens. Ah oui, bah, tu l'as ouvert pour moi aussi en fait. Ah bah voilà, tant mieux. Et apparemment, donc si je loot un truc, toi tu le lootes aussi? Je suis pas sûr.
T'as eu des shurikens aussi ou t'avais rien dedans? Non, j'ai pas eu de shuriken, j'ai juste eu une faux verte. Ah ouais, non, bah donc c'est les loots, c'est pas la même chose alors. Tu chopes apparemment une arme aussi, mais pas la même que la mienne. Ouais, bah oui, comme je t'ai dit dans le coffre au tout début, là, moi j'ai eu la faux ici. Toi, t'avais quoi, une hache? Ouais, j'avais une hache, ouais. Et Ouais. en fait, le niveau d'arme orange, c'est mieux que violet ou c'est toujours violet le meilleur? Non, c'est orange le meilleur et ici il y a même des jaunes apparemment. C'est le niveau Jaune, ok. Suce, je crois. Ou alors c'est un niveau de rareté, mais je pense que c'est plutôt ça. Ok. Il y a plein de T'as vu qu'il y trucs. a dans les compétences, il y a une nouvelle compétence, c'est le niveau de pilote. Niveau de pilote, ouais, il y a aussi les niveaux légendaires, mais ça il faut jouer en mode cauchemar. Ça peut être drôle. On fera des vidéos dessus aussi. Ouais, ça peut être bien. Ouais, pourquoi pas. Crochetage difficile encore. Bon, on va tous les faire. Hein. Hop. Il y a Ok, ici est-ce que déjà un le véhicule est coffre. maniable? Attends, je veux juste voir comment est-ce qu'on freine. Je veux Visiblement, juste voir comment on on sait freine, pas puis j'entends freiner. pof. Mais on sait pas freiner ou quoi? Ouais, peut-être avec le joystick. Hein. Mais balade. Yann, t'es là? Yann. Tu peux monter avec moi dans le véhicule? Ouais, je crois. Essaie un peu de venir. Attends, j'explore encore un peu la Maintenez maison. rond pour SRAM. Ah, ok. Ok, si j'ai un frein à main qui fait ça. Ah, merde. Attends, j'ai reçu un message, je le lis. Par contre, le bruit est bien fait. Le bruitage du buggy est bien Ouais, fait. par contre, j'ai une musique en continu là, tout le temps, je sais pas si toi aussi. Mais ils disent que le frein à main, ils disent que le frein à main c'est pour que tu pousses rond pour faire le frein à main, mais quand t'accélères, si tu fais rond, il se passe rien. Tu fais un frein à main que en marche arrière en fait. C'est nul. Est-ce que tu peux monter avec moi? Attends, je vais essayer. T'es où? Ouais. Salut. Je suis derrière. Sérieux? Mais prends-le peut-être aussi toi ton buggy, parce que si t'as la mission que tu dois prendre ton buggy. Non, repartez voir Cannes. Ah bah ok, ça va. D'ailleurs, C'est encore pour ma gueule évidemment. je peux me mettre en dessous, donc derrière sur mon piège et aussi pour shooter les ennemis. Ok, bon, bah par là c'est fermé. Ah, par là c'est ouvert. Je suis Ayrton Senna! Y a un Bon. respect pour les tonneaux. Tu vas où? C'est pas par là. Mais je peux pas Ça, passer par le champ, il y a beaucoup de zombies. c'est un buggy, pas une berline. Vas-y, passe à travers les champs. Ah, ok. Je Ah, merci. crois que c'était une familiale. Oui, la familiale. Y'a pas le Bluetooth sur la radio? Oula, oula. Et les gars. Aïe. Bah. Aïe. Y'en a qui accrochent à notre truc ou quoi? Non. Il y en Mec, a un qui ils vont tourne, méga mais. vite, regarde derrière toi! Ouais, je Regarde t'entends. derrière nous, ils Ah! sont méga rapides! Et c'est toi, tu conduis mal, tu Oh! n'arrives pas à viser. C'est moi qui ai du mal, je suis un buggy avec les autres zers qui arrivent au-dessus de mon nez! Ah, purée! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est moi qui fais ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est moi qui fais! Ah! Il rattrape. Mais je sais pas où je peux m'arrêter. Oh merde, c'est bon.
On rentre par où là? Attends. Bon, en fait, tu lui roules dessus. Mais ils sont 1000, mon vieux, c'est hallucinant. Non, ils sont 2, Laurent. Oui, pardon. J'ai un problème d'évaluation. Alors par contre, j'exige que mon nom réel soit coupé au montage, parce que je ne supporte pas. Mais j'aimerais bien rentrer, mais il n'y a pas une entrée. Ton nom de famille, c'est vraiment non entre deux. À fond. Non entre deux. Au revoir. T'es rentré? Ouais, je suis parti. Ouais. Ouais. Je vais annoncer ma réussite. Bonsoir. I'm waiting for you now. N'oublie pas qu'avec le pavé tactile, tu peux me rejoindre direct. Ah, okay. Par au-dessus, j'ai utilisé le papin. Tu cherches Khan? Il est parti. Je crois qu'ils ont fini par lui demander de partir. Demander de partir. On entend en double dans ton micro. En le menaçant? Et puis c'est qui? Ça m'est dégueulasse. Il a fait ce que mon père aurait dû faire il y a longtemps. Et tout à coup, c'est beaucoup plus tranquille dans le coin, tu ne trouves pas? T'as pas répondu à ma question. Bien sûr que non. Tu es là pour la même raison que lui. Et que les bandits qui ne veulent pas partir. Elle est vraiment moche. Je pourrais te faire confiance. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour te convaincre? C'est pas moi qu'il faut convaincre. Moi, je m'en fous. Montre à tous les autres que tu es venu pour donner et pas seulement pour prendre. Ah, au fait, je suis Esgui. C'est pas grave. Quelques infos pour de quoi vous avez besoin ici? Je dois pouvoir t'aider. T'as pas autre chose? Mais tu devras me rendre l'appareil un de ces jours. Entendu. Te rendre l'appareil? On l'a reçu seulement par Avermedia maintenant, on va pas te le rendre maintenant. Imagine ce qui arriverait si l'eau coulait à nouveau. Je suppose qu'il y a un moyen de faire ça. En effet, mais... Placement de produit. Plusieurs gars se sont déjà portés volontaires. Gladoy. Alors, à moins de vouloir y laisser la vie, je te déconseille d'y aller. Mais si ça t'intéresse, tu n'as qu'à suivre le pipeline. Ça m'intéresse pas. Salut. Je me casse, je retourne à Aran. Bon. Trouver la foi. On dit le foi déjà. On roulait jusqu'à la station Pompao. Hey, Lune Vehicle. Notre véhicule. Hey, hey. Oh, bonjour. Merci, à votre service. Surprise, motherfucker. T'es là? Je suis pas monté. Tu me dis quand t'es prêt. Attends, mais j'arrive pas à monter. Ah voilà. Mais dépêche-toi. Ouais. Oh ouais, là. Oh ouais. Oh ouais. Mais ah, du coup, tu peux pas être, tu peux utiliser que les armes à feu quand t'es sur le buggy. Ah merde, je suis en train d'abîmer le buggy là en fait en fonçant dans les zombies. Bravo. Tu vois, maintenant Néron encore faut utiliser le frein à main. Ça marche pas, je sais, je l'ai eu tantôt, ça marche pas. Y a pas de frein sur ce baby en fait. Bah ouais, et y a même de l'essence, y a une jauge d'essence. Ouais, j'ai vu ça. Oh, bien joué! Quoi? Tu m'as tué, t'es passé sous un truc trop haut et moi j'étais décapité. Mais non. Bah si je te le dis. Putain. Technova. Excellent. J'ai plus de suspension, plus de pneus apparemment. Mais t'es méga loin. Bah je suis à la zone, oui. Et tu vois, comme on a pris qu'un buggy, bah on est niqué. Pourquoi? Parce que tu dois venir me rechercher. Arrête-toi! On va me brûler dessus, l'enfoiré. Voilà, je suis dedans. Je vais m'asseoir, c'est plus simple. J'ai pas confiance. Où est-ce que je vous emmène, monsieur?
Où vous voulez tuer ces zombies? Vaut lieux indiqués sur la carte. Cool. C'était pas une promenade de santé. Hein. Je pense qu'il faut qu'on descende. Ouais, y a plus d'emplacement là. Ok. J'ai été TP directement dans la zone. Eh, va pas près de mon buggy, tu vas foutre feu. Tu vas foutre feu. J'adore cette phrase. T'as peut-être oublié. Putain, il a plus rien de bon en lui. Putain, mon vieux, je crois que t'as oublié un mot dans ta phrase. Éliminer le Malabar. Quand il y en a marre, il y a Malabar. Marre. Quoi, laisse Chris. T'es déjà là, toi? T'es rentré ou bien comment ça se passe? Ah, ouais, je suis rentré. Ouais, j'ai plus de munitions, d'accord. Tiens! T'es rentré par Qu'est-ce où? Qu'est-ce t'as fait? Oh putain! Pardon. Je l'ai battu? Ouais. Tu es rentré par... bah, avec le grappin par au-dessus? Ouais, le grappin. J'avais oublié. Le grappin. Mais c'est quoi ça? Ah, ok, il y a des ennemis là. D'accord. D'accord. Eh oh, tu vas te calmer de manière instantanée, ok? Ok, je vais mourir. T'as mon oreille. T'as mon oreille. Oh, je l'ai décapité. Salut les amis. Ninja. Ah bah attends, je te permets pas. Ils sont vachement plus résistants les ennemis. Oh bah ouais, carrément. À mon avis, c'est parce qu'on n'a pas les armes adéquates. Peut-être que c'est les jaunes hein, qui se mettent à niveau. Les Simpson? Ouais. Les armes Simpson. Bah. Arrête de tirer à tout bas comme ça, toi. Pas très respectueux. Je suis en train de le flouder avec mon grappin. Merde, merde, merde. Voilà. Oh, il vient d'exploser devant moi, c'est génial. Éliminer les bandits. Check, 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 check. Alors avec l'arc à flèche, tu peux tirer des fléchettes explosives. J'ai testé une fois hier sur un zombie, il a décollé à 15 km de haut, mon dieu. Je l'ai vu retomber comme... D'accord, il y a un ennemi, fais gaffe à l'intérieur. Et il a l'air assez vénère. Il a l'air assez ennemi. Il a... il a l'air rentré par où? Mais par au-dessus, par le où t'as tué le mec avec ton grappin. Ah merde. Oh, il me reste. Elle est pas violent. Tu mourras jamais. Oh là là là. Comment on t'anime? Voilà, je l'ai tué. Meurs, meurs et meurs. Bon, bah merci hein. On va excuse-moi. Pendant que tu faisais la pas là. Comment est-ce que je fais pour le libérer? C'est Jazzy qui m'envoie. Enfin, Esgi, tu fais partie de ces trois qui se sont perdus? Il reste que moi. Je suis Ali. Ils les ont jetés à ce monstre. Oui, c'est bien. Écoute, lui. Ali, cet endroit... Les bandits ont de l'eau ici. Il n'y en a pas à la ferme. La ferme toi-même, ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, non, mais... Ali a récupéré de l'eau. Si on veut, déjà. Faut y aller. Croisez les doigts. Si on a fait ce qu'il fallait, la ferme aura à nouveau de l'eau d'ici quelques minutes. Les deux guignols qui font ça derrière lui. Ah, bravo, bravo Ali. Cool, on va se noyer maintenant. Abruti. Et bah oui, aider Ali à récupérer l'eau maintenant, rattraper ses conneries, ouais.
Suis le pipeline. Et surtout Minecraft, God damn, attends, il fout la merde et puis c'est à nous à se brouiller quoi. Bah oui, bien sûr, la porte est verrouillée. Take them out. Tu as suivi le pipeline et il va où le pipeline? Exactement. Oh mais c'est méga long. T'es où toi? Ah, je suis bloqué. Bien vu. Toi, t'es où toi? Atterri sera sans vie d'une autre fois. Vas-y, vas-y, démarre. Je sais, j'ai vu. Tu as suivi la ligne jaune, hein, je suppose. Ça ou orange, je vois pas bien. Du pipeline. Correct. Dégage. En fait, des buggy, t'en as partout, je crois. Parce qu'ici, c'est à nouveau. Tu crois? Il a fait de ma soeur dans le buggy. Virage 3, droite. Virage serré. 2. 2. Ligne droite, 50 mètres. Ensuite, virage 3, droite, inclinaison 9 degrés. Mais enfin, arrêtez plus de me commander. Trouve ceci, trouve cela. Bon, regarde, fais mon passage. Ah, il bug. Bon, ça molle, bon, ça molle. Est-ce que tu crois que c'est la bombe? Non, c'est à l'intérieur, crétin. Tu crois? Oh, oh, putain. Tu viens de tomber. Tu es tombé dans un trou et. Comment est-ce que je remonte là? La vanne, elle doit être ici, c'est pas possible. Elle est où la vanne? Bah en bas, ouais. En ouais, bas, mais le mec en bas c'est un labyrinthe. Un labyrinthe? Ah, je l'ai. Y'a un labyrinthe! Merde! Qu'est-ce que c'est pas? Qu'est-ce... Quoi? Pourquoi échec? Oh, pourquoi? Oh non, on recommence. Oh punaise! Oh punaise! Allez, j'ai trouvé. C'est déjà inondé ici. Alors, on fait quoi? On attend? Oui, là, c'est plus qu'une question de temps. Tout est en ordre? Dépêche-toi! Mais punaise, je suis monté dans le buggy tout seul comme un con! Bah ouais, c'est pas ça que tu voulais faire. Mais non. Parler à Jazir. T'as qu'à sa route. Chacun son doggy. Comment ça, parler à Jazir? Je sais pas, j'ai réussi la mission, je pense. Pourquoi il était marqué échec alors? Bah, parce que je crois que j'ai réussi juste à temps avant de la rater. Oups. J'ai réussi avant de la rater. La discussion sans logique. Et j'ai réussi à. Aucun respect pour les zombies. Oh! Je n'ai déjà pas pour toi du respect, je parlerai pour un zombie. N'est-ce pas? Merci, revenez nous voir. Et t'es rentré par où? Toujours les mêmes qu'on a. Je ne sais pas de quoi tu veux dire. De plus en plus de gens tombent malades. J'avais peut-être tort à ton sujet, étranger. Et donc, n'oublie pas que t'as vu ce médicament. Tu pourrais répondre à ma question? Suis-moi, je te prie. Ouais, si je veux. Quoi.
Suis-moi, je te prie. L'étranger est bien plaisir. Bizarre. Mais avec plaisir. On n'a plus d'antisine. Je cherche tout ce qui pourrait sauver mes amis. Si t'as quelque chose. Nous avons quelque chose, oui. Notre foi et nos prières pour la mère. La foi. Une Game Boy. Sans vouloir te manquer de respect, t'es en train de me dire que des prières vous empêchent de vous transformer? Le manque de foi, c'est ça ton problème. Comme tous les étrangers. Nous croyons en la mère, et elle nous protège. Nous n'avons pas besoin de votre anti-bidule. D'accord, d'accord. Bon. Alors, peut-être qu'il y a un moyen de parler à cette mère? Elle est sacrée. Elle ne parle qu'avec ceux qu'on nomme les sans-visages. Il est décapité, quoi. J'ai bien dit peut-être qu'il pourrait te remarquer. Si tu te mettais au service de la communauté. Au point où j'en suis, je pourtant. Alors, il s'agit de quel genre de service? Qu'est-ce qu'il y a à faire par ici? Tu es sérieux? D'accord. Moi, je m'occupe de cette ferme. Mon ami Bidal, il protège la station essence, près de la ville. Fais le tour des lieux. Tu trouveras bien de quoi t'occuper. Démerde-toi. Alors, niveau de le moyen de découvrir les secrets des enfants du soleil et de vous faire accepter des sans-visages. Les plus dévoués protecteurs de la mer. Terminer des quêtes, aider les gens que vous rencontrez, sécuriser les zones, nanana, pour augmenter votre niveau de confiance. En attente d'autres joueurs. Hein? Comme par hasard. Waouh! Vous avez gagné un niveau de confiance. Vous êtes désormais un étranger. T'as vu ce qui était marqué? L'ultime récompense, vous êtes désormais un intrus. Mais bien, il y a des quêtes là, on peut aller. Ou alors on va voir Bilal direct.